Tanguy. 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 Bertrand. Tanguy. 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 Tanguy, c'est ce youtubeur que vous ne connaissez pas car vous l'avez regardé pendant seulement 20 heures toutes plateformes confondues. Il a fait des dégustations, il a fait des micro-trottoirs et puis c'est tout. C'est qui ton dictateur préféré? Mon dictateur préféré? Ouais. Mais si vous le connaissez depuis longtemps, il vous a peut-être déjà envoyé une vidéo de Wikipette. Et les mecs, écoutez ça! Le problème, c'est qu'il est prêt à tout pour vous divertir. Vraiment tout. Bonjour à tous, aujourd'hui je passe 24 heures dans mes propres chiottes. C'est parti! L'objectif de cette vidéo est de lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il arrête. Vous allez bien? Ça fait plus d'un mois que je réalise ces vidéos et clairement j'en peux plus. Ah, la première fois que j'ai vu Tanguy? Oui, je m'en rappelle. Il faisait un peu pitié, quoi. Et puis je me suis dit directement, c'est sûr, avec ce gars-là, on va se planter. Bah, j'avais totalement raison. C'est juste un gamin attardé qui a jamais grandi, en fait. Voulez-vous un peu de poivre, monsieur cochon? Enfin, pour moi, un mec comme ça, c'est un ovni. Et puis personne n'aime les ovnis. Le problème avec Tanguy, c'est que quoi qu'il fasse, il est persuadé que ce qu'il fait est génial. Ça tourne, là? Ça tourne? Il n'y a personne pour me filmer, c'est vrai. Oui, ça tourne. Il veut toujours faire des choses qui n'intéressent personne. Ouais, c'est vrai que des fois j'ai tendance à trop m'impliquer dans mes projets, d'être trop à fond, et du coup je me mets un petit peu des œillères, et du coup je sors des projets complètement fous, quoi. Comme par exemple 24 heures dans la vie d'un robinet. Projet ambitieux, celui-là. On passerait 24 heures dans la peau d'un robinet. Ouais, mais c'est de la merde. Ben non. Tu te rends compte que c'est à chier quand même. Mais non, mais en gros, moi je serais la valve bleue. Non, mais stop, j'ai pas envie d'écouter le concept, hein. C'est à chier. Ok. Ciao. Ok. Ouais. Il adore. Il faut que je le convainc, mais il va être emballé, c'est sûr. Tanguy, le pauvre, il est vraiment bête et naïf, quoi. Je vois pas comment des personnes peuvent aimer le perso. Et donc là, tu vas bien voir. Ah putain, c'est vrai, il y a personne pour me filmer. Hop, je vais vous montrer mes revenus. Donc là, en seulement, hein, seulement un mois sur la plateforme, j'ai déjà généré 2,34€. Ça doit pas encore être actualisé, il doit y avoir un bug, mais ça permet de payer les frais de prod. Vous l'avez compris, Tanguy, c'est un mec à part, et qui de mieux que sa famille pour témoigner? Tanguy, oui, c'est mon fils. J'ai toujours vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net chez lui. Maman! Viens, on va faire une vidéo! Je suis au chien, non! Ouais, clairement, ma mère, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est sûrement d'ailleurs grâce à elle que j'ai eu envie de me lancer sur les réseaux, quoi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on casse des noisettes. C'est parti! Et est-ce que je peux être un petit peu au calme pour lire, s'il te plaît? Quand il m'a annoncé qu'il voulait se lancer sur Internet, je me suis dit, ça y est, il va quitter la maison. J'ai été bien naïve. Ça a été le début de l'enfer. Aujourd'hui, je suis avec ma mère, petite morning routine. Alors... Et puis, bah, l'avantage, c'est que comme je sais qu'elle est à fond derrière moi, bah, ça me donne envie de l'impliquer, de lui donner les ficelles du métier. Du coup, j'essaye de l'impliquer un maximum dans mes projets et ça me fait kiffer, quoi. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été créatif. Ni drôle d'ailleurs. Petit vlog matinal du matin. C'est parti. Mais sérieux? Il veut pas trouver un travail plutôt? Et puis au bout de 2 semaines, je pense, de création, je sens que je commence à m'essouffler, j'ai plus d'idées, j'ai plus l'envie, j'ai mon cerveau il est complètement HS. Et je me dis, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis plus d'un mois. Je vais prendre des vacances. Du coup, j'appelle mes potes pour leur dire, les mecs, vous savez quoi? On part en vacances et on souffle ensemble. Bon, j'ai réfléchi, je pense que de mon côté, j'ai besoin de souffler. Toi, j'ai l'impression que toi aussi, t'as besoin de souffler. Donc ce que je te propose, c'est qu'on parte en vacances tous ensemble pour s'aérer l'esprit. Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai un travail, t'as dit. Ah. Je peux pas partir comme ça de mon travail. Ok. Et puis depuis quand, toi, t'as besoin de souffler alors que tu fous rien? Bah... Si. T'as vu, il y a des gens qui ont des obligations, hein. Bah vas-y, on en reparle plus tard. Après, ce qu'il fait, c'est vraiment nul à chier. Hein. C'est de la merde, quoi. Mais bon, au moins, il nous fait rire. Et puis, pour vous dire, à la base, moi, quand je me suis lancé, je savais même pas faire une diapo, alors que maintenant, bah, regardez ce que je suis capable de faire. Ah, putain, c'est vrai. Regardez. C'est la prochaine minière.
ça va cartonner. Un jour, il m'a dit qu'il voulait qu'on grandisse ensemble. Mais moi, ça me fait chier, hein. J'en ai aucune envie. Au bout de 3 semaines, je me dis, ça y est, c'est le moment. J'ai besoin de voir plus grand. J'ai besoin de faire des plus grosses productions, des plus gros projets avec des idées peut-être plus folles. Et là, l'idée me vient. Vidéo dégustation des produits Lidl. Rien que pour vous, on est allé chez Lidl, on a acheté tout ce qui donnait pas envie et on va les tester pour vous. Pff, incroyable. Il y en a qui se font chier à aller en Italie, dans des restos italiens. Alors que l'Italie, il y a au Lidl en face de chez moi. Et là, j'ai toutes les saveurs de l'Italie. Et bah, ça a été un franc succès parce qu'au bout de seulement 4 jours, la vidéo a dépassé les 1000 vues. Donc là, c'est palpable. C'est vraiment quelque chose que tu peux voir, quoi. C'est fou. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de satisfait, donc il va jamais s'arrêter. La prochaine étape? Je sais pas, qui sait? Seul l'avenir nous le dira, hein. Mais de grandes choses, de grandes choses. Vous l'avez compris, Tanguy est un youtubeur très bancal qui pollue son entourage le plus proche avec ses concepts foireux et foirés. Donc pour le bien de tous, Tanguy, trouve un travail et laisse-nous tranquilles. Quand même.